Alors là, Aurélia, il y a une erreur. Tu mets la tête entre les jambes, c'est pas bon. Dans cette école de rugby, les règles de plaquage sont prises au sérieux. Il faut dire que cette tactique de défense redoutable est souvent liée aux accidents dans le monde du rugby. Ces 8 derniers mois, 4 joueurs sont morts sur les terrains. Malgré les derniers incidents, les parents restent fidèles au poste. Mon fils a 5 ans et il s'avère en fait que son papa a joué ici et que son grand-père fait partie des dirigeants de Hill. Donc on va dire que chez nous c'est une histoire de famille. Moi j'ai mes deux fils qui jouent, un de 9 ans et un autre de 7 ans et demi, et j'ai pas l'impression qu'ils souffrent sur un terrain, au contraire. 45 minutes par semaine, un cours d'arbitrage est proposé aux plus de 10 ans. L'occasion de faire un petit rappel des règles de sécurité en classe. On doit rentrer avec le corps. Il faut faire bien attention au moment. Mais le rugby reste un sport de contact. On a beau être vigilant, ça n'empêche pas les blessures. C'était sur un plaquage, je me suis mal réceptionné, j'ai tapé sur le ballon, après mon bras il a rebondi et du coup ça l'a fracturé. L'école accueille 130 enfants dès l'âge de 5 ans. Tous veulent jouer à l'image de leurs idoles professionnelles, seulement la violence des chocs est liée à l'évolution des gabarits des joueurs de plus en plus impressionnants. On a des joueurs qui ont une densité musculaire importante, donc effectivement c'est des chocs assez violents. Donc c'est vrai que les enfants, nous sommes toujours en train de leur dire attention, ici on apprend le rugby par le jeu de passe, le jeu d'évitement, avec des règles de base, mais de ne pas trop les inciter à devenir des golgothes. Les plaquages sont déjà interdits pour les moins de 12 ans. La Fédération française de rugby a annoncé vouloir interdire les plaquages à deux joueurs et les plaquages tête contre tête. Des règles qui pourraient être mises en place dans les compétitions amateurs dans un premier temps.